Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce mercredi 21 août? Il est tout juste 15h. Comme vous avez vu, je sors de chez Grand Frais. J'ai été faire des petites courses. Je mets du gel à mes mains. J'ai été chercher des fruits, des légumes. Donc on commence tout de suite. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en forme, ça va aujourd'hui, ça va. Tant mieux parce que c'était dur hier quand même. Hein. Sur le matin on se réveille, ça va. Mais après, fin de journée, enfin même fin d'après-midi, début d'après-midi, et ben rien ne va plus. Mais bon, là, je croise les doigts, pour l'instant, ça va. Donc, j'en profite pour aller faire mes petites courses. J'ai chaud. Ouf. J'ouvrais pas parce qu'il y avait du monde sur les côtés. Voilà, ils sont partis. Ils vont partir là. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée très très tôt. Il était même pas encore 5h quand je me suis réveillée. Et du coup, je me suis levée. Mais j'ai fait des cauchemars. Cauchemars, rêves, je ne sais pas trop. J'étais en sueur, un truc de fou. Donc, je me suis levée, j'ai été prendre ma douche tranquillement. J'ai lavé mes cheveux, j'ai pris un petit café. Pour une fois, hein, parce qu'à chaque fois que je pars en séance, j'ai pas le temps de boire quelque chose. Ben, c'est un verre d'eau, mais je veux dire quelque chose de chaud. Donc, j'ai pris mon petit café. Et puis après, ben, je me suis préparée tranquillement et je suis partie. Quand je suis partie, Eric dormait encore. Donc je sais qu'il se lève un petit peu plus tard que moi, donc je l'ai laissé dormir. Et puis, moitié de la route, quand j'arrive à un feu rouge ou à un stop, je l'appelle et je lui demande s'il est réveillé. Pour pas qu'il soit en retard ou quoi. Il m'a dit non, c'est bon, je suis réveillé, je prépare mon café. Bah, je dis bah oui, je dis tu t'es pas levé, donc... Il dit, ouais, aujourd'hui, je me levais un peu plus tard. Bon, aucun problème. Hein. Donc, la séance s'est bien passée. J'ai dormi à l'hôpital, encore. Et c'est dingue. Hein. Franchement, quand je suis là-bas, je dors. Pas profondément. Hein. Mais je dors quand même. Je ne savais pas quoi faire à manger aujourd'hui. Donc, je me suis dit, allez, on va faire une bonne soupe. J'ai envie d'une soupe et j'avais acheté des galettes bretonnes, vous savez, les galettes de blé noir que j'avais acheté justement chez Grand Frais. Donc ils vont manger ça ce soir, moi non parce que j'aime pas. Donc moi ça sera que de la soupe et peut-être une petite salade de betterave avec des échalotes et du persil, j'adore ça. Donc ça sera très bien. Donc là je vais partir chez Match pour aller chercher du blanc de poulet pour Julie et puis acheter du jambon pour nous, enfin pour nous, oui, parce que je n'en ai plus non plus. Donc voilà, allez, on y va. Alors j'ai lavé mes mains au gel hydroalcoolique. Quand je sors du magasin, j'en mets tout le temps. Quand je sors de l'hôpital, enfin partout en fait. Pour ça que j'en ai tout le temps une grosse bouteille dans ma voiture. J'en ai aussi dans mon sac à main. J'en ai partout. Je suis une toquée du gel. Il est où mon gel? Il est là. Voilà. J'en ai partout. Voilà. Donc, parce que j'ai acheté des petits bonbons, comme ça, des petites frites pour la voiture. Bah oui, j'ai plus de bonbons dans la voiture. Donc je me suis pris des petites frites. Je savais pas trop quoi prendre. Je savais pas quoi prendre. C'est mieux comme ça, non? Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour faire un cours de français. Donc j'ai pris ça, des petites frites. Ça ira très bien. Voilà les amis. Mathieu n'était pas très content que je pars. Mais bon, je lui ai dit, hein, maman, elle va faire les courses. Ah bah oui, écoutez, il faut lui parler comme un enfant. Hein. Maman, elle arrive, elle va faire les courses. Maman, elle va acheter des gourmandises pour Mathieu.
comme un enfant. Et il comprend, hein. Je vous assure qu'il comprend. Et il m'attend. Alors quand je reviens, j'ai intérêt de lui donner une gourmandise, hein, puisque je suis à la base partie lui en acheter. Voilà. Donc allez, j'avais la flemme quand même de venir à Grand Frais. D'habitude, je sors de la séance et je viens directement ici. Mais comme je devais passer chez mon père, j'ai pas le temps. Donc j'ai dit, bon bah tant pis, je vais venir après. Mais la flemme, hein. Franchement, une fois qu'on est installé dans son canapé, à regarder la télé, on a du mal à repartir. Hein. Mais bon, je me mets un coup de pied au cul et après c'est parti. Donc là, match, et après je rentre à la maison. Bon, voilà les amis, je suis rentrée à la maison. Donc j'ai été à Grand Frais et j'ai été chez Match. On va commencer par Match, c'est le sac où il y en a deux mois. J'ai pris un paquet de chips Lay's. Alors ils ont changé l'emballage, ça fait un rose foncé. On n'a pas l'habitude quand même, hein. On aime mieux quand c'était rouge. Je ne sais pas si le goût sera pareil. Hein. J'ai pris des petites canettes de Coca-Cola comme ça, par 200 ml. 200 ml. Non, c'est écrit où? Là. Ensuite, Julie, elle m'a demandé du sirop à l'orange. J'ai pris du céleri remoulade, râpé finement. J'ai pris du jambon, jambon blanc. Il est en promotion. 1,99€ pour 4 tranches et c'est sans nitrite. C'est pas mal. Hein. Et j'ai pris du délice de poulet par 8 tranches. Voilà, c'est tout pour Match. Ensuite, pour Grand Frais, il y avait une promotion sur le raisin noir. C'était 2,99€ le kilo. J'en ai eu pour 1,80€. J'ai goûté. Pas tellement sucré, hein. Par rapport au blanc, rien à voir. Donc j'ai repris du blanc quand même. Voilà. Et là je l'ai goûté, il est trop bon. Toujours à 3,99€. Donc il y a bien 1 kilo sac. 2 kilos. Il y a 2 kilos. Moi je vous disais 1 kilo sac, non c'est 2 kilos. Donc pour 3,99€. Ça vaut le coup quand même. Ensuite, dans les dates courtes, j'ai eu à moins 40% des barquettes de fruits comme ça. Donc j'ai pris pastèque. Ça c'est pour mon petit déjeuner demain matin. Du melon vert. Et du melon charentais. Donc là j'ai payé 1,45€ au lieu de 2,42€. Là, j'ai payé 1,11€ au lieu de 1,86€. Et là, j'ai payé 1,44€ au lieu de 2,40€. Ça vaut le coup quand même. Ensuite, donc ce soir, je vais faire une petite soupe. Donc, j'ai pris des carottes fanes comme ça. Parce que je trouve qu'elles sont sucrées, c'est les meilleures. Elles sont trop bonnes. Donc, bien sûr, je ne vais pas tout mettre. Hein. J'ai pris un poireau. Il y en a assez. J'ai pris également deux courgettes jaunes et deux courgettes blanches. J'ai pris également une patate douce que je vais rajouter dans la soupe et du persil. J'aurais dû le mettre dans un sachet, tout est en train de tomber. Du persil. Ensuite, j'ai pris des betteraves. Je vais faire une petite salade ce soir avec des échalotes et du persil. Et j'ai pris des bananes. Voilà. Parce que Julienne m'avait demandé des bananes. Voilà, c'est tout pour Grand Frais. Là, j'en ai pour... En fruits, j'en ai pour 3-4 jours encore. Donc... J'irai fin de semaine chez Grand Frais. Voilà pour les courses. Allez, je range tout ça et je vais me boire un bon petit café.
Bon voilà, j'ai épluché mes légumes pour préparer la soupe. Franchement, ça sent déjà bon. Moi, ce que je fais, je l'ai fait dans mon monsieur cuisine, mais je fais saisir un petit peu les légumes avant. Pas longtemps, hein, 3 minutes à 130 degrés avec de l'huile d'olive. C'est idéal. Donc là, je suis en train de le faire. Après, je vais rajouter l'eau, un petit cube de légumes, du poivre, pas de sel, parce que le bouillon est déjà assez salé. À goûter au fur et à mesure, voir si on remet du sel ou pas. Mais souvent, je préfère qu'on en remet dans les assiettes. Parce que chacun aime salé, non salé, peu salé, beaucoup salé. Voilà, ça dépend. Enfin, moi je sais que Eric aime bien salé, mais pas trop. Moi j'aime bien moyen. C'est pareil que Eric. Et je lui dis pas trop. Et mon papa, beaucoup. Donc vous voyez, donc je préfère que chacun met du sel dans son assiette. J'ai attaché mes cheveux, hein, parce que quand je fais à manger, j'aime bien attacher mes cheveux. Là, Eric est parti chez mon père. Julie au travail, et puis moi tout à l'heure j'ai été chez ma tante. Quand je suis revenue de Grand Frais, je suis passée chez elle. En fait, j'avais envie d'un café. Et quand je reviens de la maison, quand je reviens de Grand Frais, je passe devant chez elle. Et je me suis dit, allez, on va chez la tata. On va chez la tata boire un petit café. Puis on a discuté encore, hein. Ben oui, toujours. Donc voilà, franchement, on n'arrête pas de manger le raisin blanc. Il est sucré, il est trop bon. Un délice. Donc voilà, et bon bah du coup, là, la soupe se prépare. Et puis, on fera les galettes dernière minute. Hein. Voilà. Ah, Eric dit sa voix. Il y a sûrement quelqu'un devant. Regardez les amis, c'est cette plante-là qu'on a achetée en vacances. Regardez. Ça fait des petites plumes, comme un pinceau de maquillage. C'est trop, trop joli. J'aime trop. Alors, quand on l'a acheté, il n'y avait pas de fleurs. Hein. Et là, on est trop content que ça sort. Trop, trop joli. Et là, c'est mon hortensia vanifraise qui reprend magnifiquement bien. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour voir comment ça va faire très, très beau. Bon les amis, je vous reprends pour terminer ce vlog. Il est assez tard. Hein. En fait, on a mangé assez tard. Et après, j'étais en train de regarder la télé avec Franck Dubosc. Et c'est quoi le film? Camping. J'aime trop, c'est trop rigolo. Donc là, je vais partir à la douche. Je vais attacher mes cheveux parce que je les lave pas, je les ai lavés ce matin. Donc j'ai pas besoin, je vais simplement les attacher pour pas qu'ils soient mouillés. Je les laverai que demain matin seulement. Alors la soupe, elle était excellente, excellente, excellente. Vous avez vu tous les légumes que j'ai mis dedans, c'était trop trop bon. Franchement, je me suis régalée moi. Du coup, j'ai pas fait la salade de betterave, il n'y avait pas besoin. Moi, c'était suffisant. Et Eric et Julie ont mangé de la soupe et des galettes bretonnes au sarrasin, vous savez. Et j'ai oublié de faire une photo. Tant pis. En fait, c'est parce qu'ils ont tellement été vite à la manger que j'ai pas eu le temps de faire la photo. Donc voilà pour ça. Je vais bien lever. Voilà, pour pas trop mouiller. C'est rigolo. Tant que je peux faire une queue, moi ça me va. Il rafraîchit quand même sur le soir. Hein. Il fait froid. Hein. Moi j'ai des frissons. Du coup, je vais mettre un pyjama assez chaud.
Comme moi, je suis une grosse frileuse. Une grande frileuse. Oh, la lumière, elle gêne quand même. Donc, je vais prendre une petite douche avant d'aller dormir quand même. Et puis, un bon pyjama. Et puis, on est en train de manger du raisin. On se régale, les amis. Il est trop, trop bon. Et puis, voilà, là, j'en ai vite passé. J'ai rien vu passer encore aujourd'hui. Demain, j'ai pas mal de choses à faire encore. Comme d'habitude. Voilà. Tous les jours, c'est la même chose. Enfin, je fais plus les journées où je ne suis pas en séance. J'en profite, en fait. Parce que quand je suis en séance, je suis fort fatiguée. Hein, donc, là, ça va. Franchement, aujourd'hui, on ne va pas dire que je suis en forme. Mais ça va quand même. Voilà. Bon, allez, les amis. Je vais y aller parce que j'aimerais aller regarder le film. Et pendant que je vais regarder le film, je vais faire du montage. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'ai passé une commande pour les fondants. Je l'ai fait là, il n'y a même pas une heure. Parce que j'en ai plus beaucoup et du coup, j'ai fait une commande. Et puis avec... le code simplement moi 10, et ben vous avez 10% moins et ça vaut le coup. Donc hein, il faut pas hésiter. Hein. Donc voilà, j'ai fait une petite commande. J'ai hâte de la recevoir. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog avec moi. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Un bon appétit, un bon déjeuner ou peut-être un goûter. Mais surtout, et surtout, prenez soin de vous. C'est très important. À demain. Ciao !